Salut à tous, c'est Quincy, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Fondation au niveau de nos vignes, au niveau de ce deuxième monastère qu'on va devoir améliorer un petit peu parce que bien évidemment j'ai oublié un truc, c'est que nous employons, si on regarde ici, on a quelques frères et sœurs, on a des apprentis mais on a aussi des frères, est-ce qu'on a des sœurs? On n'a pas encore des sœurs, mais on a des frères, et le problème c'est que les frères, eux, ils demandent un cloître. Le problème c'est que le cloître, il est là-bas. Donc si je pense qu'ils doivent pouvoir aller là-bas, parce que j'ai pas de problème de besoin. Donc j'ai l'impression qu'ils doivent pouvoir aller là-bas, mais ça signifie qu'ils passent énormément de temps à faire le trajet, et donc c'est pas top. Donc on va faire un cloître, on va lancer la construction d'un cloître. C'est pas un gros problème. Il est où? Il est ici. Alors, on avait des cloîtres. On va faire un petit cloître rustique. L'autre est un peu plus... Vu qu'on est sur un peu le côté rustique ici. On va faire un cloître comme ça. Rustique. Ça m'a l'air bien. Salle de cloître. Condition, espace enclos. Chemin du villageois est bloqué. Je sais pas pourquoi. Hop, on va faire ça comme ça. Ça, c'est lequel modeste. Rustique de coin. Hop. Rustique de coin ici. Peut-être l'amener un peu plus comme ça. C'est bizarre comme. C'est bien pour ça. Voilà. Et alors, ici, on va faire 1, 2, on va en mettre 4. Les visiteurs sont ravis, c'est parfait. 2, 3, 4. Il va falloir quand même mettre ça un petit peu sur le côté. On fait comme ça ici. On va faire comme ça ici. On va en mettre un ici, et une autre porte ici. Alors, évidemment, porche rustique petit qu'on va mettre comme ça. T'as pas envie de te mettre ici toi? Alors du coup j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que je trouve ça quand même très très bizarre qu'il puisse pas rentrer, parce qu'il n'y a pas de... ça me dit que c'est ok, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ok comme ça quoi. Une rustique en bois. C'est quoi? On va s'en mettre une. Et un petit peu plus haute. Avec une petite tour qui va bien. Et surtout, une petite porte d'entrée. On va voir ce que ça donne. Hein. Là, pour le coup, je suis assez perplexe au niveau du résultat de ce truc. Mais c'est pas grave. Donc toi, si je te ramène un peu là, par exemple, ça passerait un peu plus comme ça. Ça serait pas mal comme ça. On va faire ça comme ça, on va construire. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, le temps que ce soit construit. Toi, t'as ton chemin qui est bloqué. Il est bloqué, pourquoi? En sérieux, ouais... Chemin du villageois bloqué, mais non. Pas envie d'aller dans le cloître. Ouais, ils ont tous envie d'aller dans le cloître. Mais il n'existe pas encore le cloître. Peut-être arrêter les bêtises. Du coup, ici, on a quand même nos. Alors, monastère construit, c'est juste que. Il y a quoi? On a des trucs en plus ici? Ah oui, on a la. La statue, mais ça il nous faudrait des un atelier de sculpture que l'on n'a pas encore. C'est pas très grave. Et voilà, on est en train de construire un petit peu les différents trucs à droite et à gauche. C'est pas mal. Là c'est pas mal non plus, ça se construit bien, donc ça s'améliore. Il reste encore beaucoup de décorations à faire ici. Bien évidemment. Pas mal de décorations à faire dans tout le village et tout, mais il faut surtout qu'on fasse en sorte que tout aille bien. Et j'avais dit qu'il nous fallait de l'or, qu'il va nous falloir pas mal d'or.
ils sont en train de me dégager tout ça, donc on va attendre un petit peu, on fera ça au fur et à mesure. Donc là on sait que les villageois bloqués, ce sont les moines qui essayent d'aller dans le cloître, en espérant qu'ils y arrivent quand ce sera fini. Normalement on a tout le matos, hein, c'est juste, faut juste l'amener et le faire. Il reste des trucs encore, le petit drapeau. Pas d'accès à nourriture. Pourquoi donc ? T'as des repas monastiques, oui. Ici, c'est pas ouf. Il faudrait plus de pain. Le pain, on est comment ? On est 234 seulement. Hein. Avec les boulangeries, on en a pas assez, j'ai l'impression. Ouais, deux boulangeries, mais alors on est comment au niveau de la farine ? Proposition de la farine, elle est pas mal. On pourrait créer une autre boulangerie ici. Ce serait pas invraisemblable de la mettre ici. Voilà. Ici on a quoi? Ici on a du pain, mais on n'a pas forcément de la farine. On en a une ici aussi, avec beaucoup de farine ici. Foire joyeuse, ça c'est cool. Donc il y a quand même de la farine. Là on en produit. Le blé il est où? Là il y a du blé, donc ça tourne, ça produit. Il y a beaucoup de blé là-dedans, c'est parfait. On a du blé là-dedans, stockage plein. Il est où le stockage plein? Là, oui, bon ça c'est pas un gros problème. Je pense qu'on pourrait faire une ferme ou deux ici. Si je regarde les zones, ouais, vous êtes placés comme ça. Je me mettrais bien deux fermes ici. Voilà. Avec... un moulin qu'on va mettre au milieu et un grenier pour le blé. Parce que si on prévoit de s'étendre un petit peu, de ce côté-là pour avoir de l'or, ça va être quand même un petit peu nécessaire. On va leur dire de se mettre, si possible, ici. On va rajouter un petit puits. Que ce soit fun. Hop, voilà. Et là, on devrait être bien. Le temps que ça se construise, ça, on devrait être pas mal. Donc, eux, ils devraient avoir moins de problèmes. Il n'y a clairement pas de pain. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de baies. Pourtant, il y a des baies ici. Donc, vous, là, qu'est-ce que vous faites? Et ça, le problème, c'est qu'il y en a trois qui sont... Donc vraiment promouvoir les transporteurs, c'était vraiment pas la bonne idée. Mais bon, on apprend. Ça on s'en fout un peu. On s'en fout un petit peu, donc ça on va enlever, On a vu à peu près ce que ça donnait. J'ai un moulin ici. Juste pour vérifier. Il y en a 71 ici. Il y a de quoi faire du pain. Pas des masses, mais il y en a un petit peu. On a du blé ici aussi. Donc c'est vrai. Là, c'est à 50. C'est à fond partout. Là, c'est 150. Donc il n'y a pas de problème. On a de la farine. Donc c'est vraiment pas un souci. Le lait, c'est comme ça. Le blé, c'est pas ouf. Matière première manquante ici. Ou ici. Ouais, non, c'est ici. Chemin. Bon, on sait que les chemins bloqués, ce sont les moines qui sont ici. On va attendre que ça soit fini pour... Alors lui, il est à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. Mais c'est quand même bizarre qu'on puisse pas mettre de porte à l'extérieur. Enfin bref.
D'accord, ouais, non, c'est bon. Donc lui, forcément, il s'est mis là pour se bloquer. On va voir quand ce sera terminé. Donc ici, on commence à avoir pas mal de raisins. Ici, on commence à avoir pas mal de... Les tonneaux, c'est pas encore ça, mais c'est pas mal déjà. Donc je pense qu'on peut... Très clairement, commencer à faire... Au niveau de l'établissement vinicole, qu'on a déjà là en fait. Donc on peut juste rajouter un établissement vinicole ici, plutôt qu'un vignoble. 5 à partir de 10 raisins et d'un tonneau. On va le mettre là, c'est sympa. On va commencer par un. On va mettre plutôt comme ça, juste à côté des vignes, c'est cool. Donc à terme, tout ça, ce sera des vignes. Là, on aura un peu de blé sur le dessus. Ça va être pas mal. Intendant de l'évêque. Acheter du pain, des herbes et des baies. Ouais, non. Non, non, non. C'est pas que j'ai pas envie de vous enfiler, mais j'ai pas envie de vous enfiler. Comme ça, c'est fait. Dédié aux tiers états. Donc ça, c'est pour avoir 100 citoyens. Alors, dans l'ensemble, on est pas mal. Les poissons, c'est pas ouf, ouf. Mais je pense qu'on va se faire un petit tour de promotion. Pour promouvoir autre chose que des travaux. Non, c'est pas ça que je voulais. Pour promouvoir autre chose que les... Que les transporteurs. Parce que les transporteurs en citoyen, ça va être quand même la galère. Alors, bûcherons. Les bûcherons, on peut se permettre de les promouvoir. Parce que ça consomme quand même pas tant que ça de bois. J'ai promu quelque chose d'autre là. Tant pis. Bon, allez, on va promouvoir les collecteurs d'impôts. Comme ça, ce sera fait. Les cueilleurs, non. Ferme de houblon, non plus. Fermier, non plus. On pourrait remarquer les fermiers, même si non. Forestier, le forestier, oui, carrément. Vous allez être promu. Les marchands. Alors, techniquement, les marchands, on peut les promouvoir. Parce que eux, normalement, ils vont pas chercher des trucs trop loin. Il y en a quelques-uns. Voilà, donc là on est à 180, il m'en faudrait une vingtaine de plus. Menuisier, meunier, non, mineur. En fait les mineurs on peut aussi, hein. On va en mettre quelques-uns. Ils produisent quand même relativement beaucoup de ressources. D'ailleurs on est loin de crever de ressources. Non, Allez, une vingtaine, comme ça c'est fait. Niveau des frérots. Niveau des frérots et des sœurs surtout. Prieurs, on peut mettre des prieurs, mais on va surtout mettre des... Voilà, on les promouve un peu. Hop! Ça c'est fait. Donc maintenant on en a 200, des roturiers. C'est-à-dire que dans un petit mois, on va pouvoir commencer à mettre en place... On va pouvoir commencer à mettre en place 2-3 trucs, mais il va falloir qu'on se positionne sur... ça c'est quoi? C'est consommé comme du luxe ça? Ouais, c'est consommé comme du luxe les herbes. Donc là on en a une. Maison en cours d'amélioration, ça on imagine bien. J'avais dit ça ici, donc on va mettre 2 boulangers. Ça fonctionne. Maison en cours d'amélioration. Ici, est-ce qu'on a... Oui, on a herbe et miel. C'est parfait. Et on s'en fout un peu, mais on a quand même des herbes. Donc j'ai commencé à mettre du luxe un peu à droite à gauche. Ça marche.
On pourra mettre plus, mais pour l'instant, chaque... À part eux, ils n'ont pas de luxe encore, mais on pourra mettre ça. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Transport, voilà. Alors, vous, ça va être du blé, de la farine. Quoique, non. Enfin, blé, parce que toi, t'as déjà de la farine. Non, tu sais quoi, toi, on va mettre... des herbes, parce que le vin, je peux pas le mettre. Et ici, on va mettre de la farine. Voilà, deux de farine ici. Qu'on va mettre en place et on va attendre que ça se construise, hein, tout simplement. Maison. Les maisons sont en cours d'amélioration, c'est bien. Ça, c'est toujours en train d'être construit. Ça a pas l'air d'être plus bloqué que ça. Ce qui est une bonne chose. Nouvel arrivant, on a deux de plus, c'est bien. Donc dans l'ensemble, ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal et il va falloir commencer à caser des tavernes à droite et à gauche. Eux, ils sont comme ça. Et donc, si on regarde ici, on doit avoir une taverne. C'est quoi? C'est dans... C'est pas dans le chef-d'œuvre, c'est pas là-dedans, c'est dans l'administration non plus. En service non plus. Production de biens. On a la taverne ici? Non, non, non. Du coup, c'est bien au niveau de la bouffe. Fromager, oui. Hutte du chasseur, ferme de houblon, brasserie. J'ai pas la taverne. Production de ressources, à moins qu'elle soit là. Tonnellerie, armurier, forgeron. Bah non. La taverne, c'est dans la logistique. Ah, il fallait y penser. Alors, on va se faire une petite taverne ici pour rigoler. Sélectionner une fonction. Alors, accueillir les clients. Comptoir de service. Vend des ressources de type taverne aux villageois. Emploi roturier, c'est bien. Et cuisine de taverne. Repas l'aide de sanglier, machin. Donc on va se faire un premier salon public. Donc hall... hall raffiné. Qui va se mettre ici. On va le faire assez gros. Parce qu'il n'y a pas de raison. Avec bien évidemment de quoi monter dessus. Parce que c'est plus rigolo. Les abris en bois, une cheminée en pierre, non, prof, non. Qu'est-ce que je peux rajouter ici? Petit balcon, petite terrasse. Ah, pas fun là comme ça. On va s'occuper des nouveaux arrivants avant. Parce qu'on va en avoir besoin. Petite taverne, bar en métal, passerelle. Tiens, pourquoi t'as pas envie de... pas envie de tourner là? Bon, alors, on va ressortir du menu. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, il voulait plus tourner les machins. Si je fais la passerelle, là ça tourne. Ça veut plus tourner. D'accord, donc la passerelle elle tourne pas. Mais celle-là, a priori, elle tourne. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On va se mettre un petit panneau. À boire, voilà, hop. Donc ça c'est fait. On a ça. On va rajouter du coup un comptoir de service. Le comptoir de service qu'on va mettre... cabane en pierre ici. Ouais non, comme ça c'est bien. On a un service avec au moins une porte. On va mettre derrière comme ça, pas forcément.
Allez, on va dire que ça passe. Donc là, c'est vraiment basique. Hein. Vraiment, vraiment basique. Quand même, mettre une petite cheminée au compteur de service. Pas. Voilà. Donc ça, c'est tout. Et on continue avec la cuisine de taverne. Qu'on va mettre. On va mettre derrière ici. Non, ça va pas vouloir. Bon, tu peux te décaler un petit peu toi, merci. Ah, ça va pas le faire. Par contre, si je te mets comme ça, vraiment sur le côté là, avec la petite porte ici qui donne derrière. C'est quoi ? On va mettre ça plutôt dans ce style là. Ça peut être éloigné, c'est pas un problème. Oh, par contre, on va te mettre là. Voilà. Allez, zou. Zou et zou, quoi. Et toi aussi, zou. Voilà. Donc, serveur, ça va être roturier. Ça, ça va être roturier. Et ça, ça va être... on s'en fout. Nouveau récit. Taverne établie. Très bien. Les gens sont contents. Nourriture moins 1%. C'est pas ouf quand même. Ça manque de nourriture. Tant. Ouais, il y en a beaucoup en stockage, il n'y en a pas beaucoup en étal. Ça, c'est parce que C'est parce que je sais pas pourquoi. Faut attendre, on fait des grosses. Donc là, a priori, c'est bon maintenant. En train de créer ça, on va bientôt avoir du vin qu'on va pouvoir vendre à la taverne. On a de la bière déjà. On aura créé une taverne avec du vin. Dans la nouvelle mise à jour du jeu, la taverne va être nécessaire pour le bonheur. Ça va être autrement plus compliqué. Ça, je vous promets que la prochaine mise à jour du jeu, ça va a priori rendre le jeu quand même légèrement plus complexe. Ce qui est pas un mal, hein, parce que le jeu est quand même relativement facile. Mais pour le coup, là, à mon avis, il va falloir... tu vas accumuler 100... Avec tu veux me filer du fer. Allez. Mais ouais, pour le coup, ça va être... ça va être assez spécial, quand même. Je pense qu'on va rigoler. Est-ce qu'on pourrait envoyer nos militaires quelque part ? Libération du clergé. Allez hop, on envoie nos troupes. Chevalier, 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 soldat, soldat, soldat. On envoie toute la clique. Toi, t'es toujours blessé. Il n'y a pas eu tant de 5 miliciens. On va en envoyer 15. Comme ça, ils sont partis. Voilà. Ça, c'est juste histoire de les occuper. Et de dire que on fait avec. Mais du coup... Donc le cloître a l'air de fonctionner. Donc ils viennent se caser là-dedans quand même pour récupérer, pour assouvir leur cloître. Bon. C'est une façon de voir les choses. Hein. Ça va. Ça me va aussi. Là pour le coup il y a du raisin. Hein. Le miel, pas tant que ça. Il y a des baies. Il commence à y avoir des tonneaux. Je peux mettre d'autres trucs ici ? Pas vraiment. Pas grave, on reste avec les tonneaux. Moi ça me va bien. Moi ça me va bien. Donc ça c'est quand même pas ouf. Confort moins 1. Il n'y a pas encore assez de... Encore assez d'endroits où se poser. Le problème c'est que voilà, plus on rajoute des trucs aux villes, les plus... Ils ont du mal à s'installer. On va y faire un petit puits ici. Histoire d'améliorer la zone. Mais ici, c'est déjà plein, plein, plein. Il n'y a pas grand chose à mettre en plus. Si j'avais le mode terrasse, on pourrait réclamer un peu du terrain et faire autre chose.
Ou alors faire un pont, commencer à se mettre là, mais après c'est la misère, parce que c'est loin. Quoi qu'on pourrait. Regardez. Hop, hop, c'est acheté. Hop, hop, c'est acheté. Nouvelle ressource minière à proximité. Ah bon? J'ai pas fait de pont encore. Hein. On va attendre 2 secondes. Attendez 2 secondes quand même. J'ai pas de pont. Mais niveau transport, si je fais un pont ici. On va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Un petit pont avec. Pas un poteau qui flotte, non. C'est un peu plus sympa, voilà. Poteau comme ça, on habillera ça un peu mieux plus tard, mais on va déjà commencer par ça. Et il va pleuvoir. Le mauvais temps arrive, c'est pas grave. Ah, c'est cyclique, hein. C'est comme la Bretagne. Des fois il fait beau, mais des fois il fait pas beau. Donc là on peut rajouter quelqu'un, voilà. Présence hebdomadaire 24 sur 24. Toi, tu mériterais une petite extension. Je dis ça, je dis ça. Voilà, comme ça, ce serait pas mal. Quoique de faire ça. Comme ça, ce serait même encore mieux. Ouais. Pour un peu d'outils. Puis construit. Voilà, donc on va peut-être avoir un peu plus de monde qui va s'installer ici. On va voir. Ici, on a eu un puits qui a été construit. Donc, s'il y a besoin, il y aura plus de monde qui s'installe ici. Alors, on va dessiner un petit champ de culture ici. Comme ça. Ça c'est fait. On va en dessiner un autre. On va mettre un tout petit peu plus petit. Bouge-toi, petite. Petite fenêtre. Comme ça, et du coup on va commencer à amener des gens, ici on va amener des gens aussi. Toi t'as déjà 2 transporteurs, c'est bien. On va pouvoir te mettre un meunier déjà qui commence à travailler. Donc ils vont forcément venir s'installer là, normalement, j'espère. Et ils vont commencer à taffer un petit peu, et du coup on aura une production un peu plus locale de blé et de pain surtout. Parce que ce sera pas mal. Donc là, ça commence à faire du vin. Pas des masses, mais ça commence. Ah bah non, il y a personne. Haha, il me faut plus de gens. Ça va pas bien se passer sinon. Serveur et cuistot. La recette, on va y mettre de la bibine. Parce que de la bibine, il y en a un petit peu. Elle est où? Il y en a 150. On va mettre de la bibine. Elle est pas loin. Bon, ici, ça va être la bibine. Là, on aura du vin. Si je mets une machin, on aura du vin ici. On va commencer par ça. Ça, ça se construit. Alors, la raison pour laquelle je mets une extension, c'est parce qu'on était à 24. C'était à 24 sur 24. Et sachant qu'ils sont 39... Ça fait pas beaucoup pour le service. Donc du coup, voilà, avoir un peu plus de monde ici, ce serait quand même pas trop mal. Là, on a notre pont qui se construit tranquillement.
ça coûte cher, mais on continue de garder de l'argent. Je sais que j'ai vu ça dans les commentaires, que ça faisait de la peine à certains de voir ça tomber, mais il y a énormément d'argent. Il y a énormément d'argent. On pourrait se faire une trésorerie un peu débile, mais ça se fait ça d'ailleurs, une trésorerie un peu débile ici. On peut faire une trésorerie. On pourrait rajouter des machins ici pour faire une trésorerie. Ouais, pas mal. Histoire de filer de la thune aux moines. Mais de la garder quand même pour nous. Il faut pas déconner non plus. Avant de mettre un autre moine, je vais mettre d'abord un deuxième meunier. Et puis venir là surtout. Comptoir de service construit. Surplus de baies. Ouais, c'est pas ce qu'ils avaient l'air de trop dire. Hein. Confort, il manque du confort quelque part. À mon avis, c'est vers là. Pourtant, il y a de la place. Hein. S'ils veulent venir s'installer, il y a de la place. Après, on pourrait peut-être ouvrir un peu plus ici. Voire même enlever ça pour voir si eux ils veulent venir. S'ils veulent s'installer ici. Là il y a un... Ouais, je sais pas. Les maisons ont quand même besoin en général de pas mal d'espace pour s'installer. Elles ont un peu du mal à trouver l'espace qu'il faut. Mais une fois qu'on aura de la place ici, on va pouvoir mettre un peu plus de maisons. Je pense. Et on va pouvoir aller prospecter les trucs. Ça m'a dit que j'avais des ressources, mais j'ai que dalle. J'ai que dalle, mais je peux quand même aller prospecter. On ira prospecter. Le mauvais temps est arrivé. Bon, bah si le mauvais temps est arrivé, j'ai envie de vous dire qu'on va s'arrêter là aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison, ça fait quand même un bon épisode. J'attends qu'ils arrivent et on est parti. Du coup, voilà, ça se construit bien. C'est plutôt pas mal, j'aime bien le long de la falaise, comme ça donne un petit effet sympa aussi. Et voilà. Donc là, le coup, ça va être de commencer d'avoir des citoyens, de commencer à aussi faire, je pense, si on regarde au niveau de la production de biens. Non, c'est pas les ressources, c'est des biens. Je vais vouloir faire des épées. C'est les ressources du coup. D'accord. L'armurier. Commencer à faire des épées. Pour en gagner un petit peu plus. Et pour pouvoir les vendre d'un coup. Non. Non. En plus il pleut là, donc laisse tomber. Mais du coup, ouais. On va pouvoir, je pense, au prochain épisode, passer au sens citoyen. On va promouvoir tout le monde d'un coup. Là, je peux regarder, hein, vite fait, sélectionner un mandat. Ouvrir la liste. Si je veux faire des citoyens, il suffit de descendre un petit peu. Et tous ceux qui sont pas bâtisseurs. Ceux qui sont pas... voilà, les bûcherons, collecteurs d'impôts, fabricants. Fabricant d'objets usuels et machin. J'avais les fondeurs. Oui, j'ai les fondeurs aussi. Et les marchands qu'on pourra passer en... Et les mineurs qu'on pourra passer en citoyens. Avec peut-être un ou deux transporteurs. Histoire de débloquer justement l'armurerie. Commencer à faire du commerce. C'est lequel qu'il faut qu'on augmente, c'est celui-là. Non, on achète auprès d'eux, c'est eux on vend. Donc vendre du marbre, tiens, on va pouvoir vendre pas mal de marbre. Qu'on en a plein pour faire monter en fait ce niveau-là. Jusqu'à ce qu'on puisse vendre d'un coup toutes nos épées. Et ça sera parfait. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !